tracer l'image du rectangle PABC par l'homothétie de centre P et de rapport 5 tiers. Donc le rectangle PABC, c'est celui-ci qui est tracé en rouge, et donc on doit tracer l'image de ce rectangle par l'homothétie de centre P, qui est ce point-là, centre P, et de rapport 5 tiers. Alors rappelle-toi que l'effet d'une homothétie sur un point, ça va être de rapprocher ou d'éloigner un point du centre de l'homothétie, d'une certaine distance. Hein. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que si le rapport de l'homothétie est plus grand que 1, ce qui est le cas ici, hein, 5 tiers, c'est plus grand que 1, eh bien l'image du point sera plus éloignée du centre de l'homothétie que le point lui-même. Alors évidemment, le centre P, lui, ne bouge pas par une homothétie de centre P, donc l'image de P, ça va être ce point-là. Hein. Ensuite, pour tracer l'image du rectangle, eh bien, il faut qu'on arrive à placer les images des, quatre, des trois autres sommets, donc, par exemple, on va essayer de tracer l'image du point a ici. alors, l'image du point a, donc ça va être un point qui est plus éloigné euh, de p que le point a sur la même droite. Hein, donc, ici, horizontalement comme ça, il va falloir placer l'image de a sur cette droite là. Hein. alors, maintenant, et bien sûr, il faut comprendre où est-ce qu'on va le placer sur cette droite. alors, on sait que comme l'open si je l'ai dit tout à l'heure, et avait un rapport supérieur à 1, en fait l'image de A va être plus loin de P que le point A. Donc on va être par ici. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que la longueur du segment AP va être multipliée par 5 tiers. Alors ici, la distance AP, c'est 1, 2, 3 unités. Et donc, si je multiplie 3 par 5 tiers, je vais obtenir la distance entre le point P et l'image du point A que je vais appeler A'. Donc 3 multiplié par 5 tiers, et eh bien ça fait 5. Donc l'image de A va se situer sur cette droite là à une distance de 5 unités du point P. Donc je vais compter simplement 1 2 3 4 5 et c'est ici. Voilà. Ça c'est l'image A' du point A. Alors tu pourrais penser que le point A' pourrait se situer à une distance de 5 unités de l'autre côté, mais en fait ça c'est pas le cas ici, ça serait le cas si on avait un rapport négatif. À ce moment-là, P serait situé entre A et son image, mais comme le rapport est positif, le point A et le point A' sont du même côté de P. Alors maintenant je vais faire la même chose avec le point C. Donc le point C il est ici, son image va être située du même côté de P que le point C. Sur cette droite-là. Voilà, sur cette droite-là. Et en fait, comme l'homothétie a un rapport supérieur à 1, on sait que C', l'image de C, va être dans cette partie-là de cette droite. Alors, il faut, comme tout à l'heure, déterminer la longueur du segment BC. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Et on va donc multiplier par 5 tiers. Alors, 6 fois. 5 tiers, et eh bien ça fait, je peux diviser au numérateur et au dénominateur par 3, il va rester 2 fois 5, ça fait 10. Donc la distance entre P et l'image du point C sera de 10 unités. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc C' va être ici. Alors maintenant, on peut très bien reconstituer le rectangle comme ça. Donc on a le côté. PA' qui est l'image du côté PA. Ensuite, on peut descendre comme ça jusqu'à la même hauteur que le point C'. Voilà. Et on peut compléter le rectangle comme ça. Voilà. Donc ici, c'est l'image du point B qui est B'. Alors, j'ai été un peu rapide pour placer l'image du point B, mais en fait, c'est parce que j'ai utilisé une propriété importante de l'homothésie, c'est que L'homothétie conserve la, les proportions, donc la forme, mais pas la taille. Hein. Donc en tout cas, on sait que l'image du rectangle ici sera un rectangle aussi. Et c'est ce que j'ai utilisé pour placer le point B'. Voilà pour la première question. Ça, on a donc tracé l'image du rectangle PABC par l'homothétie de centre P et de rapport 5 tiers. Maintenant, on va faire la question 2. On nous demande de compléter cette phrase la longueur du segment AB est de un certain nombre d'unités, alors que la longueur de son image est de un certain nombre d'unités. Donc, de toute façon, ce qui est certain, c'est que la longueur du segment image va être égale à 5 tiers multiplié par la longueur du segment d'origine. Donc ça, c'est un, une pensée réflexe à avoir. Alors, le segment AB, c'est celui-ci. Son image, son image, eh c'est le segment A'B'. Donc pour répondre à cette question, on peut très bien tout simplement euh, lire les longueurs sur le, sur le schéma. Donc la longueur AB, en fait, c'est la même que la longueur PC, donc c'est 6 unités, hein, puisque c'est un rectangle, mais tu peux compter ici aussi. Et puis la longueur de son image A'B', c'est la même que la longueur PC', donc c'est 10 unités. Tu peux compter ici aussi, bien sûr. Et tu peux remarquer quand même, pour terminer. Que, effectivement la longueur de a b prime c'est 6 multiplié par 5 tiers qui est le rapport de l'homothétie puisque 6 multiplié par 5 tiers on a dit tout à l'heure ça fait 10 hein, on avait vu ici et ça correspond exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure la longueur de l'image d'un segment dans cette par cette homothétie va être la longueur du segment d'origine AB, c'est à dire 6 multiplié par le rapport de l'homothétie qui est 5 tiers